Madame le secrétaire général du contrôle du protocole d'accord entre les services du contrôle supérieur de l'État et les organismes de la société civile. Autre mesure, l'amélioration de la participation des citoyens et de la société civile à la gestion des affaires publiques. Les partenaires institutionnels et la société civile du CONSUPÉ. Monsieur Abanda Guélé-Serge. Protocole d'accord de partenariat. CONSUPÉ, OSC camerounaise, dans les organisations de la société civile camerounaise. Les services du contrôle supérieur de l'État, désignés ci-dessous par le vocable CONSUPÉ, représentés par le ministre délégué à la présidence de la République chargé du contrôle supérieur de l'État, d'une part, et les organisations de la société civile camerounaise désignées ci-dessus par le vocable OSC camerounaise, et représentées par leurs différents responsables d'autre part, ont convenu à arrêter ces missions. Chapitre 1. Disposition générale. Article 1. Objet. Le présent protocole d'accord concerne la mise sur pied d'une plateforme d'échange et de collaboration intitulée Plateforme CONSUPÉ OSC. La plateforme de collaboration instituée entre le CONSUPÉ et les OSC camerounaises est un cadre permanent de concertation et de collaboration en vue d'améliorer la gestion et la protection de la fortune publique, permettant aux deux parties de mettre en commun leurs ressources en vue de l'accomplissement des missions confiées à chacune d'elles, développer des stratégies efficaces permettant la réalisation de leur mandat commun dans le domaine de la protection de la fortune publique, réfléchir sur les problèmes d'intérêt mutuel, passion et des bonnes pratiques développées par l'une ou l'autre partie, réaliser conjointement des activités spécifiques nécessaires à l'atteinte des objectifs à eux assignés individuellement ou collectivement, définir les modalités consensuelles de l'assistance mutuelle qu'elles doivent s'accorder, formuler les dispositions pertinentes à soumettre au gouvernement en vue de résoudre ou en vue de la résolution de la prévention des pressentis dans le domaine dont elles ont la charge. Article 2. La durée de la plateforme. La durée de la plateforme est indéterminée. Toutefois, elle peut prendre fin par simple notification d'une partie, par tout moyen laissant trace écrite, après une mise en demeure sans réponse au bout de 30 jours. Article 3. Mode opératoire. La collaboration entre les services du contrôle supérieur de l'État et les OSC camerounaises se déploie à travers des réunions, des séances de travail périodiques, des échanges d'informations et groupes de travail convoqués ou institués par le ministre délégué à la présidence de la République chargé du contrôle supérieur de l'État à la demande de l'une des parties. Chapitre 2. Obligation des parties. Article 4. Engagement du CONSUPÉ. Pour l'atteinte de objectifs de la plateforme, les services du contrôle supérieur de l'État s'engagent notamment à, et pour la ligne, le B-tiret, développer avec les OSC camerounaises des actions communes sur les différents axes possibles de collaboration. Édifier les OSC camerounaises sur le rôle du CONSUPÉ en
tant qu'institution supérieure de contrôle des finances publiques du Cameroun, renforcer les capacités des auteurs de la société civile dans le domaine de la protection de la fortune publique, offrir une meilleure visibilité à ces organisations sur la scène nationale et internationale dans le domaine de la protection de la fortune publique, donner aux OSC camerounaises des outils pour un rôle de relais dans l'information, la formation et la communication auprès des populations sur les actions, missions et attributions du Consul. Article 7. Engagement des OSC camerounaises. Les OSC camerounaises s'engagent à porter la contribution à la réalisation des objectifs de la plateforme par du moins, premier tiré à la ligne, la mise à disposition de leurs expertises dans les domaines précis de la protection de la fortune publique, entre autres, à travers l'exploitation des constats, statistiques et chiffres qui découlent de leurs enquêtes et études, la mobilisation des ressources pour le financement des programmes de protection de la fortune publique auprès des partenaires au développement, l'accroissement du capital de confiance de l'ISC auprès de l'opinion publique et l'amélioration de son image sur la scène nationale et internationale. Exception des missions et des actions du Consup grâce à leur rôle de relais auprès de l'opinion publique. La société civile camerounaise, ainsi que les lois et règlements de la République du Cameroun. Chapitre 3. Dispositions diverses et finales. Article 7. Évaluation de la plateforme. L'évaluation de la plateforme s'effectue en tant que de besoin à la demande de l'une des parties. En tant que de besoin, il sera désigné d'abord partie et signé dans un acte du ministre délégué à la présidence de la République chargée du contrôle supérieur de l'État. 8. Révision du protocole d'accord. Le protocole d'accord de partenariat entre le Consup et les OSC camerounaises pour l'exposition est motivé par la partie qui en exprime le besoin. Les amendements apportés au texte initial sont arrêtés d'accord partie et intégrés dans le présent protocole dès leur adoption. Article 9. Règlement des différends. Tout différend résultant de la mise en œuvre du présent protocole d'accord sera réglé à l'amiable. Article 10. Le protocole d'accord peut être résilié soit à l'initiative d'une partie, soit d'un commun accord pour non-respect par l'une des parties de ses obligations. Article 11. Intégration des nouveaux membres. Les nouveaux membres sont présentés à la plateforme à l'initiative de l'une des parties et intégrés à celle-ci par consensus général, après vérification de leur légalité, la compatibilité de leur mission et objectif avec le groupe, de la crédibilité de l'OSC ainsi que de la moralité de ses responsables. Article 12. Financement des activités de la plateforme. Le fonctionnement de la plateforme sera assuré par le Consup. Pour ce qui est des missions spécifiques, leur financement sera discuté de commun accord par les parties prenantes. Article 13. Entrée en vigueur. Le présent accord le partenariat rédigé en 4 exemplaires, en français et en anglais, prend effet à compter la date de signature, de sa date de signature par les parties prenantes. Les signataires déclarent avoir pris connaissance de tous les articles du présent protocole d'accord et de son annexe que constitue la liste du groupe des OSC de la plateforme, en avoir compris le sens et en être satisfait. Fait à Yaoundé le 5 juin 2018 pour les services du contrôle supérieur de l'État, Madame le ministre délégué, pour les organisations de la société civile, représentant du groupe des OSC de la plateforme, Monsieur Martin Djoukou. Je vous remercie. La contrôle supérieur de l'État et les organismes de la société civile sous la
Excellency, Madam Minister Delegate at the Presidency in charge of the Supreme State Audit, distinguished guests, and dear colleagues from the civil society, it's my utmost honor to take the duty of this introductory address at this special and historical occasion. But my voice is not mine today. I wish it could be the voice of people living out of here who may not be sitting with us at the grassroots, that it could be the voice of all the people of our country. But all of us deserve to be heard in decision-making spaces. I then use my voice here, Your Excellency, Madam Minister, to convey our deepest gratitude to you and the government of Cameroon for more and more listening to the voice of the people. We are thankful, Madam Minister, that you've made it possible for the consumer CSOs specific platform on sustainable development to come into existence, the purpose of which we are gathering this day for a formal solemn confirmation. We are confident that this opportunity, as others before, including the recent visit of the Commonwealth highest officials in Cameroon, is going to contribute to giving a boost to anything that is being done or that is envisaged to make Cameroon an exception in the global trend of the shrinking space for the civil society. Your initiative is fully in line with the prescription of the head of state with regard to the implementation of the SDGs in Cameroon, and we readily invited all Cameroonians to make this their utmost priority, without leaving anyone behind. In fact, the 2030 Agenda for Sustainable Development, by proposing the principle of leaving no one behind, provides an opportunity for full participation of all citizens in addressing national and international issues. This initiative, in addition to more than relevant in a context where our country has to face numerous economic, social, and peace-related challenges, it's in our belief certainly the kind of positive steps needed as a solution. Excellency, Madam Minister, and dear colleagues, it would be unfair at this solemn occasion with regard to the important role that the civil society plays to advance the national development agenda in support of the government's effort to ensure better living conditions for our people, not to remind ourselves where we have come from to achieve the positive stage result that we are celebrating today. It's important to stress that the consumer-based CSO-specific platform is the result of a long, constant, and constructive engagement of the government by the civil society in a spirit of support rather than challenge, took clear shape from the year 2015 and resulted into setting up
of the setting up of the National Common Working and Collaboration Plan. Excellence, l'idée d'une plateforme de collaboration pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable au Cameroun s'est ainsi progressivement imposée à partir des directives des Nations Unies pour la conception et la mise en œuvre. Nous avons reconnu que le cadre du développement de l'après 2015 serait d'autant plus efficace qu'il sera le résultat d'un processus transparent, ouvert et sans exclusion, auquel participent toutes les parties prenantes. Il était important d'éviter, pour les objectifs de développement durable, de répéter les erreurs des objectifs millénaires pour le développement durable, conçus et mis en œuvre sans une réelle participation des populations. Le nouveau cadre mondial de développement s'est ainsi fondé sur un vaste processus de consultation des parties prenantes, y compris les OSC, afin de répondre efficacement aux attentes des populations. Que la soixantaine de pays invités à contribuer à la définition des ODD à travers les consultations nationales et sous-nationales, ainsi que les 15 pays de l'Agence des Nations Unies au Cameroun, ont à cet effet laissé une large place aux organisations de la société civile dans la conduite de ces processus et la production des rapports et des partenaires de développement. Pour la bonne connaissance des problèmes de développement du pays, ont pu aider qu'avec les ONG. Dans cet esprit, Excellence, et dans l'élan de positionner la société civile comme un acteur clé dans la formulation et la mise en œuvre des agendas de développement, la société civile a organisé en mai 2015 à l'initiative de Africa Development Interchange Network et d'autres organisations de la société civile, l'atelier national de mobilisation sur le financement pour le développement et l'agenda post-2015. Les consultés au premier rang ont participé à cet événement en présence des agences du système des Nations Unies au Cameroun, la plateforme commune de travail et de collaboration PCTC est ainsi née et est le résultat de cette importante et historique consultation. La plateforme spécifique conçue par Société Civile aujourd'hui en est une des déclinaisons avec les plateformes du MINREX et celle en naissance bientôt au MINCOM. Et en notre sens, il est possible pour le consulté d'apparaître au premier rang de ces, ces institutions publiques comme le champion des ODD au Cameroun. Il est important de souligner que la PCTC a les contours d'une plateforme capable de faciliter les synergies entre tous les acteurs du développement qui acceptent d'y souscrire. Ce faisant, la PCTC est l'espace par excellence pour la mise en œuvre du cadre de supervision, de suivi et de redevabilité pour les ODD, avec comme un de ses piliers le programme de prévention des atteintes à la fortune publique du consulté. Nous sommes convaincus, Excellence, Madame la Ministre, que la plateforme consulté Société Civile sera un outil clé pour la contribution collective efficace à l'assainissement de la gestion publique. Il est judicieux de souligner que le lancement de cette plateforme intervient à la veille de du forum politique de haut niveau sur les objectifs de développement durable qui se tiendra du 9 au 13 juillet à New York. C'est un rendez-vous annuel pour lequel le Cameroun, comme pays volontaire, se prépare à démontrer sa particularité en 2019, Excellence, parce que le Cameroun sera pays volontaire en 2019. Il y aura certainement cette touche particulière et peut désormais se positionner, comme je disais tout à l'heure, comme le ministère champion des ODD au Cameroun, en mettant en exergue son cette option, s'inscrit en droite ligne des préoccupations de gouvernance des objectifs de développement durable. Notamment, cette option s'inscrit donc en droite ligne des préoccupations de gouvernance avec l'objectif numéro 16 et qui porte en partie sur la lutte contre la corruption
et contre les flux de financement illicite. Elle va également dans le sens de l'ODD 17 sur les partenariats et les moyens de mise en œuvre de l'agenda post-2015. Le High Level Political Forum portera en 2019 sur l'égalité avec un examen approfondi de l'ODD 4 sur l'éducation, 8 sur le travail des 100, 10 sur la réduction des inégalités, 13 sur les actions climatiques, 16 sur la paix, la justice et les institutions fortes, y compris les questions de gouvernance, mais surtout de l'ODD 17, le partenariat pour les objectifs, qui en principe est revu chaque année. Le lancement de la plateforme. Quelques jours seulement avant le High Level Political Forum de 2018, offre donc bien aux consultés de la matière pour confirmer sa position de ministère champion des ODD au Cameroun. Souhaitez et pensez, Excellence, imaginez qu'avec le MINEPAT et le MINREX, vous voir en collaboration donc, de ces ministères, participer activement au High Level Political Forum de juillet 2018 à New York en préparation de la revue volontaire du Cameroun en 2019. Anyway, to end with my speech, on this special historical day, we trust that we can count on the engagement and support of the consultant to help accelerate the institutionalization of a national multi-stakeholder dialogue whereby we, as civil society, shall have a formally accepted voice. This for us is another opportunity to acknowledge the effort made by the government of Cameroon in that direction and plead for more because we are confident that our formal and recognized contribution is likely to add substantial value at all levels of public and social management. Long live our great nation, Cameroon. Chargé du contrôle supérieur de l'État, Madame Bah Acha, pose pour mandat. The Director General of National Agency for Financial Investigation, Director General of the Stabilization Fund for Hydrocarbon Prices, dear representatives of the Presidents of the National Commission for the Fight Against Corruption and the Special Criminal Court, honorable members and representatives of civil society organizations, officials of the Supreme Court Audit Office, distinguished guests, ladies and gentlemen. Permit me, first of all, to begin by wishing you a warm welcome to our institution on this solemn occasion that marks the culmination of the process of formalizing cooperation between the Supreme State Audit Office and Cameroon Civil Society Organization. Distinguished representatives of the civil society organizations, members of the platform with Consupe, while congratulating you for the confidence that your peers have placed in you, let me seize this opportunity to thank you for all the kind words you've extended to me and the institution under my responsibility. It is my earnest wish that you will not act as a one-off interface in this ceremony, but that with the consent of your peers, your term of office should be extended as long as they desire, so we can have an able interlocutor for general entities. I therefore wish you good luck in your candidature. Mesdames, Messieurs, distinguées personnalités, comme je l'ai dit à l'introduction de mon propos, la signature du protocole d'accord de plateforme à laquelle vous venez d'assister marque effectivement l'aboutissement d'un processus d'État qui a commencé par la création au contrôle supérieur de l'État d'une cellule en charge des relations avec les partenaires institutionnels et la société civile
dans le cadre du décret organique numéro 2013-287 du 7 septembre 2013, signé par le président de la République. Cet acte est traduit ainsi la volonté politique du chef de l'État, qui est aussi le chef suprême de notre département ministériel, d'encourager d'une part une synergie productive dans les résultats entre les institutions du secteur de la gouvernance et d'autre part d'intéresser les citoyens à travers la société civile aux enjeux de protection de la fortune publique. Nous espérons que la démarche entamée aujourd'hui avec la société civile camerounaise fera des émules là où cela est nécessaire, notamment dans nos relations avec les partenaires institutionnels du secteur de la gouvernance dans notre pays, afin que sans complexe, nous puissions ensemble établir des passerelles de collaboration pour l'efficacité et l'efficience de nos missions respectives sous le plan des résultats escomptés par les uns et les autres. Pour notre institution, cette démarche s'inscrit dans le processus irréversible de modernisation et d'arrimage de l'ISC du Cameroun aux référentiels nationaux et internationaux. Au plan national, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, dans ses orientations sur la gouvernance, nous met au défi d'une utilisation efficace et efficiente du potentiel et des différentes ressources disponibles afin de contribuer au rayonnement intérieur et extérieur de l'image du pays à l'horizon 2035. Il indique entre autres comme mesure et action hautement transversale l'amélioration de la participation des citoyens et de la société civile à la gestion des affaires publiques. Par ailleurs, la vision du document de stratégie de développement du consulté à l'horizon 2020 est de devenir une ISC bénéficiant d'une autonomie financière et fonctionnelle, moderne, créative, dynamique, pleinement engagée dans une politique de promotion et de vulgarisation d'une véritable culture de reddition de comptes à travers une stratégie efficace de communication. Au plan international, comme vous le savez, le Cameroun, à travers le CONSUPE, regroupant les institutions supérieures de contrôle des finances publiques au niveau sous-régional, continental et mondial. Au sein de ces différentes organisations, le Cameroun a des responsabilités importantes et se doit de prêcher par l'exemple en arrimant progressivement ces pratiques aux standards qui sont requis. On supprime une institution à abriger ISAE. L'ISAE 12, dans son principe 6, nous rappelle la nécessité de communiquer efficacement avec les parties prenantes. La lumière engager les parties prenantes par la reconnaissance de leurs différents rôles et tenir compte de leur indépendance de la société civile camerounaise ici présente. L'étape de formalisation de notre cadre d'échange et de collaboration ne constitue que la fondation de la mission commune que nous voulons construire. Il nous appartient donc à tous et à chacun d'apporter du sang pour que cet édifice s'élève. Il sera à l'image de nos volontés respectives d'en faire une œuvre dont les résultats forceront l'admiration de tous. Pour ma part, je puis vous assurer de la disponibilité et de la détermination des services de contrôle supérieur de l'État à soutenir toutes les initiatives et formes de collaboration qui pourraient concourir à la prévention des atteintes à la fortune publique ou au renforcement de nos capacités respectives, toujours dans le respect des règles que nous nous sommes librement fixées et dans le respect des lois et règlements de la République. C'est le lieu ici de remercier les uns et les autres pour leur engagement et leur dévouement aux différents travaux et rencontres qui ont été à la base du résultat d'aujourd'hui, fruit d'une démarche
consensuelle et inclusive. Je formule enfin le vœu que la dynamique d'opérationnalisation de cette ambition commune se construise dans le même esprit. Pour que vive la plateforme consultée OSC camerounaise et que vive le Cameroun et son illustre chef, le président de la République, Paul Biya. Thank you for your kind attention and I thank you all for coming. Il y a des gens qui n'apparaîtront pas. Hein. Il y a des gens qui n'apparaîtront pas. Demain. Comme institution, que le contrôle des finances publiques, nous avons des parties prenantes, nous avons des parties et la société civile est une partie prenante. Alors aujourd'hui, on a eu assigné une plateforme de collaboration entre les membres de la société civile et le département extérieur. On attend de cette institution un rôle de relais auprès de nos populations. On va travailler en collaboration avec nous. Parce que sur le plan national, sur le plan national comme international, le consulé, on exige de construire la collaboration avec les parties prenantes, avec les citoyens, avec le public, avec les sociétés, l'organisation des sociétés civiles. Le document de stratégie de la croissance et l'emploi, comme aussi les instruments internationaux dont consulter fait membre, exige cette collaboration. Nous nous tenons à ça. Quels sont les problèmes que cette plateforme-là vient de résoudre maximum? Le problème, pas vraiment résoudre le problème, mais collaborer avec le consulté. Parce que pour la gestion de la finance publique, il faut une gestion inclusive. Ça veut dire que pas tout le monde, les parlementaires, la société civile, les citoyens, ça veut dire que tout, pour la transparence, pour la bonne gouvernance, pour que tout le monde voit ce que qu'on se fait en train. The objective of this meeting was like the culmination of some work that we've been doing to bring civil societies, organizations of civil society together so that they can participate in good governance, so they can participate in the transparency and accountability of public funds. And so today we decided to sign a platform of agreement with them on how we shall collaborate. Because when we collaborate with them, we find that the work goes easily and we get the confidence of the population, because what we are doing is for the good of the citizen. So when we implicate the citizens, the population, the civil society organizations, then we have the result. We expect a wonderful result of good governance, of transparency, of accountability. This is what nationally and internationally consulpe is required to do. We want to think of employment strategy document. We want to think of international organizations at the level of the sub-region, at the level of the region and international, at the world level, where consulpe is a member, requires that we work, we could use efficiently. All parties that work with consulate, we should use them so that we can come out with some
better aspect of good governance. Are you satisfied? I'm very satisfied. That's why I signed. I signed the document because I'm satisfied. And as I said in my speech, it's only the beginning. The signing of the document is the beginning of collaboration between us and this organization. When we talk about collaboration, can you highlight some areas? As I said, collaboration on our part, we shall try as much as possible to train capacity and reinforcement of. Nos attentes n'ont pas varié, nos attentes sont les attentes du peuple, les attentes des populations. C'est-à-dire que l'agenda du développement communautaire et communiste soit mis en œuvre en réponse aux besoins des populations. Nous pensons que cette occasion est la preuve d'une collaboration qui va aller dans cette direction. Concrètement, le peuple va vous regarder. Qu'est-ce que vous allez faire? En réalité, nous ne sommes que des messagers. Nous allons travailler pour que tout message pertinent parvienne à ceux à qui ces messages sont adressés. Nous allons veiller à ce que les attentes également soient portées à l'attention du gouvernement, à l'attention du gouvernement particulier, en ce qui concerne la gestion de la chose publique. Est-ce que c'est une victoire pour vous de d'être intégré en fond dans une plateforme d'avoir une collaboration avec l'institution? Nous ne pensons pas qu'il faille décrire cela pour nous. Ceci est simplement sur la trajectoire normale. Vous vous souvenez, le chef de l'État a dit que nous devons tous œuvrer pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Donc, pour nous, ce n'est ni une victoire ni un échec, c'est simplement un devoir que de collaborer avec ceux qui ont la charge de mettre en œuvre la charte de l'éducation. Il a quand même fallu du temps pour qu'on arrive à une telle. Il faut toujours du temps pour faire du bon travail. Et nous pensons que ceci pour nous est du bon travail et nous allons continuer. Nous sommes certains que le gouvernement nous laissera toujours plus d'espace pour que la collaboration continue et pour que tout le monde puisse s'exprimer